Bonjour, chers amis, chers téléspectateurs web. Bienvenue à cette édition des nouvelles du 1 du 28 mars 2022. Encore aujourd'hui, plusieurs nouvelles intéressantes. Donc, comme vous voyez, une petite manchette, l'abattoir Exceldor de Saint-Anselme. Est-ce que du personnel non vacciné va être suspendu sans sol le 1er avril 2022? Alors, ici, c'est l'abattoir Exceldor-Saint-Anselme, mais il y a bien d'autres commerces et entreprises qui font ça. Alors, on va y revenir tout à l'heure dans nos segments. Alors, mais avant de poursuivre, sans plus tarder, nous allons commencer euh, par refaire les annonces. Donc, abonnez-vous à nos diverses chaînes. Le site web s'en vient, donc, lorsqu'il va apparaître, vous allez le voir. Donc, sur Facebook, nos chaînes diverses, euh, pour ceux qui nous cherchent, FNL, vous cherchez FNL, c'est FNLinfo sur Facebook. Alors, toujours ma page aussi, Parti Populaire du Canada, dans l'impression Parti Populaire du Canada, dans le BQC. Et on, nous sommes sur Telegram, euh, nous sommes sur Rumble, nous sommes sur Odyssey. Nous allons être sur Twitch bientôt, c'est en cours. Twitter, DanBQC aussi, beaucoup de petites informations rapides qui passent sur Twitter. Et sans plus tarder, donc abonnez-vous, suivez-nous. Et le lien pour supporter la chaîne, donc pour votre contribution, pour aider. C'est toujours possible. Merci beaucoup aux donateurs. On va revenir avec quelque chose de spécial là-dessus. On va peut peut-être avoir des surprises pour les donateurs. C'est un petit projet qu'on a sur le site. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être présent encore. Sans plus tarder, on va recommencer par notre météo additionnelle, notre météo traditionnelle, donc, Favorable, Dehors. Ça a de l'air à fond dans le Québec. Alors, le banc de neige baisse, alors, on est hâte que ça finisse. Alors, les rivières sont sous surveillance. Euh, dans chacune de vos régions, surveillez vos avertissements. Allez sur vos appareils, euh, c'est là, mais regardez vos avertissements publics de municipalité aussi. Et euh, vous pouvez toujours surveiller Météo Média, des fois, s'il parle de votre région précise ou sinon le site d'Environnement Canada, section météo. Alors, pour ce qui est de la fonte des neiges, euh, c'est sûr que là, avec le soleil de mars et début avril, là, ça va fondre rapidement. On doit s'attendre à ça, ce qui est tout à fait normal. Mais on a un bon couvert de neige en général au Québec. On va avoir des cours d'eau remplis, beaucoup d'eau. Alors, euh, on va se préparer pour une agriculture peut-être plus riche aussi cette année. C'est à espérer. Sans plus tarder, encore là, une fois, le soleil, euh, ben, le cycle 25 est reparti de plus belle euh, de ce qu'on comprend. Et ben oui, il nous a fait de quoi être visible. Euh, on a, on a le, encore un tsunami euh, solaire qui est apparu. Euh, on tient à rappeler qu'on a maintenant des tâches qui font face à la Terre. Donc, euh, l'image que vous voyez ici. Donc, ces tâches-ci, non seulement font face à la Terre, on tient à rappeler que la, la planète Terre rentre deux fois dans ce petit point-là ici. Hein? Donc, euh, vous voyez la grosseur de ça. Donc, on a une petite série de tâches solaires qui nous garoche du stock. On voit euh, à l'écran ici. L'espèce, ce qu'ils appellent un tsunami solaire, on voit l'onde de choc. Et l'onde de choc qui a été détectée, donc, euh, radiation storm, tsunami, donc, euh, face à la Terre, donc, on a des conséquences euh, sur les ondes radio encore. Ça l'a coupé carrément des ondes radio, des euh, ondes courtes. Et voici l'endroit où ça a été le plus affecté. Donc, vous avez les ondes. Donc, euh, autant les marins que les pilotes d'avion et que les opérateurs de radiofréquence s'en sont aperçus. Alors, sur les fréquences en dessous de 30 MHz, on sait, donc dans ces domaines-là, que ce soit navigation, avion, peu importe, il y a toutes sortes de fréquences utilisées. Donc, c'est toujours à surveiller de le bord. Et bien entendu, les aurores boréales vont s'en suivre. On a quand même, euh, si on regarde ici, un 60% dans les, dans les latitudes plus au nord d'avoir des, euh, des tempêtes géomagnétiques. Donc, le taux est haut. Donc, euh, ciel dégagé, égal, regardez vers le nord. D'après moi, on va avoir des belles surprises côté or boréal Ceci dit, euh, chaque seconde qui passe, il pourrait en avoir d'autres après-midi. Alors, c'est à surveiller. spacewater.com. c'est la source pour celui ça et pour ceux qui sont amateurs d'or boréal SMS text, abonnez-vous à ça. Vous allez être averti. <coughs> côté volcan, euh, ben encore là, deux, deux petites choses. Euh, à surveiller popé quand même. Euh, bien entendu, euh, on a eu une petite éruption euh, du volcan euh, de Mauna Alors, euh, sans graves conséquences, faut dire. Donc, c'est une éruption euh, de type euh, magma. Donc, ça ce c'est pas éruptif. Rien de catastrophique et majeur. Donc, vous voyez la vidéo ici. Donc, c'est une coulée de lave qu'il y a, Alors, pas d'explosion, mais ça en est une bonne quand même, donc visible en masse. Alors, c'est sous, sous surveillance, bien entendu, mais pas d'éruption majeure. Et quand vous voyez une coulée de lave, dites-vous que c'est aussi la création de terre, de territoire. Alors, vous voyez tout l'ensemble de la coulée qui s'étend. On va mettre une pause ici. Alors, tout ça ici, ça finit par se déverser. Et ça crée de la terre. Donc, quand ça, 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 ça atteint l'océan, ben, c'est carrément même des terres de plus que ça crée. Donc, ça, c'est le a, Hawaï. Alors, sous surveillance, évidemment, c'est toujours bien monitoré. Et on revient aux Açores. Et là, ça semble bouger un petit peu plus, un peu plus d'inquiétude maintenant. Alors, euh, il y a eu des évacuations sur l'île des Açores, euh, une évacuation aussi euh, surveillée par l'armée. <coughs> Pourtant, je le vois, il est ici, 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 voilà. Donc, euh, ils ont évacué l'armée. Donc, vous avez l'île ici. Donc, des, une série de tremblements de terre sur l'île de Sao Jorge. Vous voyez le Pico Island, c'est un autre volcan. Donc, <c basis> on tient à rappeler que c'est sur un complexe volcanique et les habitants, donc, ont été évacués euh, dans une zone plus, euh, moins à risque, si on peut dire. Donc, c'est très surveillé. Donc, euh, intense systemic crisis dans plusieurs petits tremblements de terre donc, les autorités ont activé un plan, euh, un, un plan d'urgence, de, de, un vrai plan d'urgence dans ce cas-ci. Alors, euh, ils se préparent. Donc, euh, les soldats, les militaires sont là. Ils ont monté des tentes. Euh, puis, euh, oui, euh, ils sont masqués. Euh, oui, ils sont masqués dehors, mais c'est comme ça. Mais oui, ils ont monté des tentes euh, pour évacuer les gens en cas de besoin. Donc, ils sont prêts. C'est la seule chose qu'on peut faire quand il y a des, des activités comme ça être prêt. Alors, on ne pourra pas euh, empêcher jamais ni une éruption ni un tremblement de terre. Euh, par ailleurs, le reste des autres volcans dans le monde, c'est relativement stable, tranquille, rien de majeur. Donc, c'est sous contrôle. Mais c'est sûr que les Açores, là, vu que ça brasse un peu plus, euh, c'est plus préoccupant. Alors, euh, dans les derniers jours, les voici, et je vous montre la carte du nombre de tremblements de terre, qu'il y en a eu quand même une bonne rafale. Et, on le dit, ce n'est pas les tremblements de terre qui dévastent tout, mais ce sont des tremblements de terre qui sont des indicateurs. Donc, vous voyez la carte. Alors, il y en a eu toute une série. Ah bien entendu, si les habitants de ces régions-là sont évacués ailleurs. Donc, il se passe de quoi en dessous? C'est sur une faille, euh, sur une plaque tectonique, une faille sismique. Alors, euh, c'est sous surveillance constante. Alors, côté boursier maintenant, tremblement de terre, terre c'est vrai. Euh, euh, L'île euh, aussi euh, de Porto Rico. Euh, encore plusieurs petites séries de secousses euh, rela relativement petites, mais quand même plusieurs, des 3.3, 3.2, 2.5, mais quand même sept euh, secousses quand même. Donc, euh, ça aussi, Porto Rico, ça chèque un petit peu, mais le reste dans le monde, rien de majeur, pas de tsunami en vue pour le moment. Et on s'est rappelé qu'un tremblement de terre, si ça arrive dans la prochaine minute, ça peut se produire dans la prochaine minute, dans la prochaine heure, on ne sait pas. on faut toujours surveiller ça et être alerte. Dans notre coin ici, au Québec-Canada, heureusement, c'est plus tranquille. Mais on a déjà eu un épisode, comme on s'en rappelle, euh, qui était soudain, 88, que personne n'attendait. Et euh, je me souviens à l'époque, il n'y a personne qui était prêt non plus à dire euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment qu'on se prépare. Alors, euh, alors que le Québec en a quand même connu. Et j'ai déjà ressenti un, trem un tremblement de terre aussi banal qui était parti de la chaîne des Appalaches en Virginie et qu'on a ressenti jusqu'ici à Québec. Pourquoi? Parce qu'on est l'extrémité, la Ville de Québec est située sur la frontière la chaîne des Appalaches et du Boulier canadien et on avait ressenti l'onde de choc à Québec à cette fois. C'était assez intéressant, donc, voilà. Alors, c'était le cas de dire ouais, <laughs> c'était le cas de dire nous sommes prêts, non, nous devons être prêts, on n'est pas prêts, nous autres, en passant, alors, désolé. Alors, en Kabylie, donc, oui, euh, c'est vrai, Lilière, Kabylie, euh, Kabylie, donc Algérie, il y en a eu une couple de petites secousses aussi, que d'habitude, c'est assez tranquille, mais on dirait que ça reprend. Alors, il va falloir voir c'est quoi. Euh, ça va être à suivre parce qu'il y a déjà eu une activité en Afrique tectonique majeure. Euh, S'il y en a une à surveiller, c'est la faille de l'Éthiopie. Il est prédit et prévu, comme Haïti, que l'Éthiopie, elle, va se détacher du continent africain éventuellement. Encore là, on ne sait pas quand. Alors, il est possible de pratiquer des tremblements. Euh, ben, en fait, pratiquer des tremblements artific artificiellement, non. Par contre, si vous faites sauter une bombe, Thermonucléaire dans le sol, ouais, vous créez un tremblement de terre. Le dernier que la Corée du Nord avait fait, entre autres, avait provoqué un... Puis la Chine, les deux, ça avait provoqué un tremblement de terre régional de 4 à l'échelle richter. Mais vous voyez la, la force d'énergie que ça prend. Et ça, c'était pas profond. Alors, euh, c'était quelques kilomètres euh, à peine sous terre. Euh, donc, une bombe thermonucléaire produit un cap. Imaginez quand on a un tremblement de terre qui est en surface, nous, on ressent du 6 ou du 7, mais qui est à 90-100 km de profondeur. Vous voyez comment ça remonte. Donc, c'est très puissant. Donc, voilà. Euh, et j'ai dit bombe thermonucléaire, je précise bien, non pas bombe à fission nucléaire. C'est deux choses différentes en passant. On va faire un live à un moment donné là-dessus. Je pense que ça va être intéressant d'expliquer les différences aux gens parce que c'est carrément des, des impacts. Et le 25 novembre 88, ça brassait solide, ouais. Et moi, j'étais, je demeurais à Ville-de-Vamier et nous étions pas mal. Euh, on a eu le rebond des deux. Donc, bref. Vous voyez, tremblement de terre, il faut s'informer. Puis, en ceux qui sont intéressés, 1663, celui du Québec, Alors, le soleil a dansé trois jours de temps. Alors, euh, pourquoi? Parce que ça, le sol shakeait des vapeurs. Bref, on a déjà eu un bon épisode. Euh, oui, euh, bien, regardez, si vous êtes insulté, vous pouvez quitter. Euh, il peut faire sauter une centrale nucléaire. Euh, ben, gardez là. il euh, peut partir, d'accord? Euh, sans temps nucléaire, sans surfer, je parlais, parlais du souterrain. On, on parle de tremblement de terre ici. Je ne parle pas de dégâts radioactifs. Alors, euh, voilà. Et maintenant, nos, nos données, cours du marché, et j'ai des petites nouvelles pour vous autres, j'ai fouillé un petit peu plus. Alors, nous avons le prix du, prix du blé relativement stable qui ne bouge pas, le maïs, le soya, OK, ça va bien, et le canola, toujours haut, et là, blé de printemps. Et là, on descend l'avoine, oups! L'avoine, bien voyons, qu'est-ce qui se passe avec le mosus d'avoine? Eh oui, il y a encore un pic à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Donc, j'ai fouillé un peu plus, on a très peu d'informations. Mais l'information que j'ai trouvée, qui est récente euh, du week-end, eh bien, c'est une explication qui est en lien avec nos récoltes de l'an passé. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on aurait eu euh, une, une, euh, une production plus faible, plus poche l'année passée. Et pas à peu près euh, quand on regarde ça. Alors, euh, voilà. Alors, en plus, il y a eu la chaîne d'approvisionnement qui a été, euh, comme vous savez, perturbée, brisée à bien des endroits aux États-Unis. Ça, ça concerne beaucoup les États-Unis aussi. Donc, la machinerie, le coût a, 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 a grimpé. Les prévisions donc, sont donc à la hausse, basées, en plus, jumelées au manque de stockage qu'il y a eu dû à une mauvaise récolte de l'an passé. Et on parle quand même, vous voyez, c'est une veille qu'on n'a pas parlé de bien, mais la production avait baissé de. 39% en 2021 par rapport à 2020. Alors, à cause du climat, un peu plus de sécheresse à des endroits. Et euh, aussi, rappelez-vous, il y a peut-être eu des problèmes de main-d'oeuvre ou de machinerie. Donc, c'est un peu tout ça qui vient jouer euh, dans le stock, donc, parce que euh, ce n'est pas parce qu'on récolte de l'avoine, euh, exemple, euh, au mois de septembre, qu'elle est consommée tout de suite dans les trois prochains mois. Il y a des stockages qui se font. Donc, vous voyez, là, c'est... Donc, c'est une histoire d'approvisionnement et de stockage. On en a manqué. Et donc, ça facilite une hausse des prix. Donc, c'est un rapport qui a été fait par un des joueurs majeurs. Et on parle du lait d'avoine aussi. Donc, le prix va monter. Ceux qui consomment ça, parce qu'il y a des gens qui ont de l'intolérance au lactose, donc, il y a du lait d'avoine et du lait de soya. Donc, le prix du lait d'avoine va monter euh, et possiblement de soya par la même occasion. Donc, voilà. Alors, c'est un peu ça. Ils vont essayer de produire, d'augmenter la production, donc euh, euh, augmenter la production de transformation et de récolte. Donc, voilà, qui dit mais machinerie et investissements. Donc, vous voyez, on a une petite explication partielle. Euh, je ne dis pas que c'est la seule et unique, mais ça explique en bonne partie la hausse. Et l'article était daté justement de soutien. week C'est un joueur majeur qui est venu expliquer un peu la hausse des prix, qu'est-ce qui se passe. Donc, bonne nouvelle. On n'était pas les seuls à s'en être rendu compte, bien entendu. Il euh, y en a qui surveillent ça, comme je dis. Puis. D'aplomb et c'est ce qu'on devrait faire régulièrement. Euh, on n'a on pas assez surveillé dans les dernières années ce qui se passait côté nourriture. Et euh, je trouve que c'est pour ça que je commence toujours ma partie boursière avec la bouffe. Alors voilà. Euh, maintenant, euh, la suite, euh, ensuite, Market Watch. Donc, le Market Watch, euh, c'est simple, c'est les indicateurs sont légèrement à la baisse ce matin. Donc, vous voyez, fluctuation standard. Euh, ben là, il y a des. Il y a des prédictions qui prédisent 900 milliards d'investissements d'achat qui s'en viendraient. Alors, qui, qui va acheter? Donc, des articles, plusieurs articles intéressants sur le sujet. Euh, on parle aussi de l'étalon or avec l'impact que ça va avoir sur le dollar. Et un point intéressant, et ça va faire, je vais en parler ensuite, Larry Fink parle que la globalisation est terminée, voilà, la mondialisation est terminée. Alors, voici ce que ça veut dire pour les marchés. Alors, ça, lui, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, on a un côté d'un économiste qui dit, oui, euh, le, le, la mondialisation est un peu, is over. Bon, over, je ne dirais pas over, mais certainement perturbée avec tout ce qui se passe. Hein. On sait, oui, il y a la guerre euh, Russie-Ukraine. Alors, euh, puis là, ben, si Poutine s'en va, une question aussi. Qu'est-ce qui va arriver si Poutine s'en va aux États-Unis aussi? Et on va y revenir aussi avec la momie en chef, sa déclaration. Bref, euh, la mondialisation est perturbée, donc on parle de relocalisation de notre production, ben, ce qui est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, être plus souverain sur ce qu'on produit, ce qu'on livre. Alors, vous voyez, mais il y en a d'autres qui, eux, voudraient que ça continue, n'est-ce pas? On va y revenir après. Alors, euh, donc, j'ai trouvé ça très intéressant aujourd'hui, ces petites nouvelles. On, on va pouvoir développer ça dans un post. À, 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 on pourrait parler une demi-heure, une heure juste là-dessus, si ça vaudrait la peine. Donc, vous voyez, Market Watch. Allez, il y a ça, oui, c'est en anglais. Euh, un petit truc en passant. Euh, si jamais vous lisez des articles en anglais et que vous voulez traduire rapidement, ben, je recommande le DEEPL, D-E-E-P-L. C'est gratuit sur Internet, D-E-E-P-L, Translator. Euh, il est meilleur que Google Translate. Et il peut prendre des gros paragraphes. Vous pouvez l'installer sur vos machines. Vous avez une version pro, euh, toutes sortes d'histoires. Donc, donc euh, comme je dis, il faut s'informer plus de sources. Source. Boursorama aussi, euh, c'est un bon site. Euh, côté de pétrole, qu'est-ce qui arrive du côté de notre cher pétrole? Est-ce qu'on va voir un prix à la baisse? Enfin, normalement, je dirais qu'avec les niveaux qu'on voit, on devrait. Ça devrait baisser, mais j'ai eu jugé ai mes lessons hier à 85 encore. Alors oui, les prix repartent à la baisse. Alors, dans les deux indices, donc c'est ça. Donc la hausse, le, oh, lui, le WTI est resté haut. Non, reba... non c'est pas il a baissé, c'est le refresh qui ne se faisait pas. Donc, euh, ça bouge, on voyait, c'est reparti une tendance à la baisse. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, le pétrole accélère sa chute avec le confinement partiel de Shanghai. Eh oui, pour la COVID. Et Shanghai, c'est une ville de plusieurs millions d'habitants qui a un impact majeur sur l'économie même de la Chine et mondiale. Beaucoup de trafic maritime, commerce, business, transactions. Donc, euh, le prix rechute. La ville de Shanghai est confinée, a été confinée, confinée en quatre jours. Et ensuite, l'OPEP, bien là, ça justifie le, la prudence de l'OPEP de réouvrir les, le robinet du pétrole. Et d'ailleurs, les Émirats arabes confirment, réaffirment leur attachement à l'OPEP et taclent les Occidentaux, donc ils vont rester, euh, ils vont rester ensemble uniformes, donc raisonnables en affirmant leur attachement à l'Alliance, qui inclut la Russie, alors que le marché du brut est sous pression, à la suite de la maison. Eh oui, eh oui, on rappelait le dit à être raisonnables dans leurs attentes en réaffirmant leur attachement à l'Alliance OPEP+. Le petit plus, hein? Le petit plus qui inclut la Russie. <laughs> ça explique peut-être pourquoi quand Biden a appelé les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, ils n'ont pas pogné le téléphone de suite, ils ont parlé le lendemain. Ouais. Ça base des choses, hein, avec le pétrole. Vous voyez pourquoi il faut suivre ça? C'est assez majeur, merci. Puis vous avez la chance, prix c'est gratis et c'est en français. Puis il y a beaucoup d'informations très bien faites là-dessus. Alors, euh, n'hésitez jamais à le voir et à lire tout ça. Donc, il y a beaucoup de stocks. Gardez le pétrole recul, flambé de COVID. Donc, c'est vraiment <laughs> la COVID qui a fait baisser le prix du pétrole à Shanghai. Le variant Omicron, précisément, dans la nouvelle de ce que j'ai entendu. Donc, euh, le prix est à la pompe, est, ça devrait baisser un moment donné. Mais à, par ailleurs, il y avait les stocks pétroliers qui étaient à la baisse aux États-Unis. Donc, vous voyez le jeu qui se passe là-dedans. Donc, euh, ça joue au yo-yo pas mal ces temps-ci. On ne s'attendra pas à des miracles, comme une baisse, à, à une évent, n'est-ce pas? On va rester lucide. Alors, dans nos nouvelles jours, jour, sans euh, continuer, donc, euh, mais le gaz rejeté 1087 exactement. Alors, euh, voilà, Franklin Libertarian, ça, je ne connais pas. Oui, ARP. Euh, bon, OK, ARP. Euh, je ne dis pas que ça n'existe pas, ARP. Mais euh, pour le temps de c'est d'autres choses. Et euh, oui, ça ici, alors Marc, j'y viens, j'y viens justement. Quelqu'un m'en a envoyé. Alors voilà euh, le, le projet euh, du PDG. PDG ici. Ah. le PDG de Blackrock confirme que la guerre Russie-Ukraine servira d'accélérateur du Great Reset. Ah. Ça, c'est lui qui l'affirme, qui confirme. Est-ce que la guerre de la Russie en Ukraine va servir de catalyseur au g 7 à l'agenda 2030 et à la quatrième révolution industrielle du Forum économique mondial? Donc, tout est là le même. On voit là que là, avec cette question-là, vraiment, tout est intégré, l'agenda 2030, le g 7 quatrième révolution industrielle. Et la réponse, bien entendu, du PDG a été oui, absolument. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Donc, voilà. Est-ce que... La guerre, Russie, Ukraine est créée pour ça? Non. Est-ce qu'ils en profitent? Oui. Euh, C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas les initiateurs de la guerre, mais peut-être qu'il y en a qui un traité de paix soudain, instantané, du jour au lendemain. Ils n'aimeraient pas ça, carrément. Et carrément, il peut être, il peut être contre la paix, lui-là, avec ses intérêts à protéger et tout ce, ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà. C'est ça, un, un type d'impact qu'il peut avoir par la bande, qu'on appelle. Donc, euh, oui, ça, ça peut avoir de l'impact. Et l'autre point, sur Boursorama, justement, une nouvelle actualité. Ukraine, Vladimir Zelensky dit avoir eu des signaux d'hommes d'affaires russes voulant aider l'armée ukrainienne. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ça, c'est peut-être un risque. Euh, je vous explique. C'est que euh, sûrement que Vladimir Poutine n'aimera pas voir des gens d'affaires. Euh, avec l'Ukraine, les gens d'affaires russes. Alors, euh, de le dire publiquement comme ça, je ne sais pas jusqu'à quel point ce n'est pas même dangereux pour des hommes d'affaires. Bien sûr, on n'aime pas les gens d'affaires précisément. Ah, ils ont eu des signaux, on peut aider, et ainsi de suite, donc on peut aider d'une manière ou d'une autre, prête à assurer la sécurité des hommes d'affaires. Regardez ça, là, c'est un gros statement. <laughs> c'est quelque chose, là. Euh, à, assurer la sécurité face à Vladimir Poutine de ces, de ces gens d'affaires-là, pardon. Je vais le grossir plutôt comme ça. Euh, donc, euh, voilà, c'est assez majeur, merci, euh, de dire ça de prétendre ça. Il faut faire bien attention avec ça. Alors, quels que soient les hommes d'affaires prédonnés, assurer leur sécurité. Hein? Puis euh, l'Ukraine dit étudier par ailleurs la demande russe de sa neutralité, ce qui est une bonne chose. Des pourparlers continuent d'ailleurs en passant. C'est une bonne nouvelle dans les circonstances. L'offensive russe se poursuit sur Mariupol, Kiev et bien d'autres endroits. Alors, euh, comme on peut le voir sur beaucoup de cartes, donc 10 millions d'Ukrainiens auraient été déplacés par le conflit. On parlait de 3,5 millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine. Alors, il y a une nouvelle négociation qui commence ce lundi ou mardi en Turquie. Donc, bref. Ça continue. Et là, ils prennent la Turquie. Donc voilà, on a des signaux. Donc ça, assurer la sécurité, euh, tu es un homme d'affaires russe, et tu fais de défection pour aller en Ukraine, pour aider euh, l'opposant ukrainien. Ben voilà. Euh, donc c'est assez... Touché, merci. Euh, je ne sais pas jusqu'à quel point j'irai là, puis je, je le dirai publiquement. C'est assez spécial. Par ailleurs... Moscou envisage de restreindre l'accès à la Russie aux ressortissants des pays inamicaux. Donc, si vous aviez déjà prévu d'aller dans ce coin-là, euh, je ne pense pas que vous allez pouvoir y aller. C'est quand même la guerre. Donc, les pourparlers se poursuivent. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on veut tous. La paix, il faut que ça arrête. Mais ce n'est pas facile. Euh, une nouvelle qui ressort, donc euh, qui revient, donc des gens ne l'avaient peut-être pas vu, euh, Thérèse Otam qui avait dit la fin des mandats de vaccination selon les médecins les plus hauts placés du Canada. Euh, donc, c'est une nouvelle récurrente. Peut-être que vous l'aviez vue ou pas. Euh, C'était des discussions. Donc, euh, c'est que ça, ça continue à discuter beaucoup. Euh, par ailleurs, et voilà, on a eu ça en fin de semaine. Et ça, c'est assez majeur aujourd'hui. Euh, la momie en chef en tournée en Europe crée un incident diplomatique. Alors, je parle euh, du président des États-Unis. Euh, il a fait une déclaration. Demandant carrément à ce que le régime de Poutine tombe et qu'il soit remplacé, qu'il soit changé. Euh, ça n'a pas été très bien vu de l'ambassade, des ambassades et euh, de la part des Russes On en voulant dire Mais toutes les affaires. Il a fait un discours d'unificateur avec l'Union européenne. Vous le savez, les États-Unis vont le vendre du gaz naturel. Alors, c'est très bien. Euh, donc, ils vont vendre du pétrole. Les États-Unis font de la business avec l'Europe en temps de guerre et en profitent au détriment de l'Europe par ailleurs. Mais, il a, il a, à la fin de son speech, il a lâché la phrase, là, il fallait que les États-Unis, euh, il fallait que la Russie, pardon, le président russe, se de là. Alors, euh, c'est assez majeur et c'était noté partout dans le monde. Alors, ceux qui ne juraient que par Joe Biden comme euh, le, le, le modèle de président, euh, bien, regardez, euh, c'est guerre en Ukraine, comme une simple phrase sur Poutine apparaissait la fin de la tournée européenne de Biden. Alors euh, son homologue russe, ne peut pas rester au pouvoir. Euh, parce qu'il faut comprendre que ici, beaucoup de gens, je comprends, puis on n'aime pas du tout ce que la Russie a fait. C'est une invasion de guerre. Euh, par ailleurs, on tient à rappeler que l'Arabie saoudite a bombardé Yémen en fin de semaine. Je ne vais pas le passer. Il est mort. Ça continue. Alors, ça brûle, mais euh, chaque guerre est à éviter, toujours. Toutes les guerres. Il n'y a pas une guerre propre. Il n'y a pas une guerre. Les gars, c'est toute sale. Ce pas compliqué. Alors voilà. Puis là, ben, pour le mot de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Joe Biden, que ça va dire ça de même. Ça va donner un conseil. Alors qu'on tient à rappeler que neuf votes du collège électoral viennent de tomber aux États-Unis la semaine passée. Et que là, ben, il y a trois États finalement euh, avec le, le nombre de collèges électoral qui n'est pas valide. Euh, techniquement, Donald Trump gagne. Euh, ça va prendre un juge qui va le mettre. Ça, c'est autre chose. Un instant, ça, ne va pas fonctionner. Voilà. Alors, c'est euh, assez euh, gênant, puis il y en a qui jouent avec le feu, on tient à le rappeler. Euh, toujours est-il que, parlant de, de, de COVID, euh, donc, on tient à rappeler, c'est 25 millions d'habitants de la ville de Shanghai confinés rapidement, donc, pour stopper l'épidémie, je ne sais pas si ça va, euh, si ça va se poursuivre euh, efficacement. Donc, euh, ça, c'est le point de vue là-dessus. Alors, beaucoup de nouvelles, comme j'ai dit. Euh, j'ai oublié, euh, pardon. Euh, sur le, on parlait d'alimentation tantôt, l'huile de tournesol, le cours du tournesol, le de boussole, le cours du tournesol va être euh, euh, assez euh, perturbé aussi en passant. Point de vue alimentaire. Et euh, finalement. Fox News a parlé aussi d'ailleurs ce matin de la performance de notre Justin Trudeau euh, en Europe la semaine passée. Donc c'était euh, très remarqué. Et pour ceux qui, euh, qui connaissent le, le parc de Walt Disney, alors il y a un enfant de 14 ans qui est mort en fin de semaine dans un manège. Alors, vous savez les manèges que ça tombe les, les choses tombent. Eh bien l'adolescent est tombé malheureusement et puis ben, il est mort. Donc suite à cela euh, bien entendu, d'autres parcs ont fait ni un ni deux et ont fermé le type de manège qui, euh, qui fait ça. Donc, euh, on voit à quoi ça ressemble rapidement. Vous connaissez tous ce manège-là. Je ne ferai pas la vidéo au complet. Voilà. Ouais, ça, c'est un eux, eux autres, comme ça. Donc, bref, on repart pas tout là. là. C'est leur site web qui est comme ça, j'y peux rien. Alors, c'est leur présentation qu'ils font. Euh, donc, euh, et suite à cela, ben, un autre parc d'amusement a décidé de couper, euh, de, de, de fermer l'attraction. Donc, vous savez, ces le genre de tour, c'était très haut, 461 pieds. Et il y a un adolescent, lorsque ça a commencé, qui est tombé. Alors, euh, on entend ça, puis là, ben, suite à ça, au Tennessee, il y avait un parc d'amusement qui avait un équipement semblable, ils l'ont fermé, même s'il était plus, plus petit. Euh, et on entend les gens crier, une fois que ça tombe, euh, c'est à ce moment-là, ben là, on entend les voix, « Call the ambulance, it just fell ». Donc, voilà. Alors, euh, là, les gens voulaient tout sortir, bien entendu. Donc, c'est un événement, un, un, un accident triste dans un parc d'attractions. Uh, there was in the Wesley World, qui a de l'impact pour uh, d'autres parcs aussi. Et uh, les parents, c'est clair, ils vont avoir des poursuites criminelles. Puis un juge, un juge a déjà dit, oui, le parc d'attraction va être 100% responsable de ce qui est arrivé aux jeunes. Alors, c'est pour ça euh, que euh, qu l'autre parc d'attraction n'a pas pris de chance, qu'il a fermé. Et en terminant, quand on dit que euh, les guerres, certains en profitent, en terminant internationalement à final. Euh, voilà. Les guerres. Est-ce qu'il y en a qui en profitent? Ben oui. Une guerre des contrats d'armement dans la vraie guerre se prépare entre industriels européens et américains. Alors, l'invasion d'Ukraine par la Russie ne fait que précipiter un mouvement amorcé depuis 2014, précipiter de l'accélérer avec l'invasion de la Crimée. Une vigoureuse politique de réarmement est à l'œuvre au sein de l'Union européenne. Donc, vous avez maintenant l'Union européenne qui va travailler fort pour se rééquiper pendant que le temps continue. Et nouvelle de dernière heure euh, du Canada, le Canada annoncerait cet après-midi euh, qu'il irait de l'avant avec l'achat des F-35. Ce qui est, euh, bien entendu, euh, une nouvelle qui se fait longtemps. On a nos f 18 euh, il faut rappeler aux gens, nos 18 ont été dessinés dans les années 70, achetés en 80-82 les premiers. Il y a eu des upgrades. Mais voilà. Alors, euh, ça s'en vient au Canada. Donc, on peut présumer que lorsque Justin est allé rencontrer l'OTAN la semaine passée, euh, après son avant son speech, euh, qui s'est fait ramasser à l'Union Européenne. Ben après ça, il s'est fait pogner pour dire à l'OTAN, avec la gamme l'OTAN, là, t'es déjà jeté les avions là. Alors, on rappelle que l'Allemagne, je, je l'ai présenté, l'Allemagne achète l'IF-35, alors qu'il devait peut-être acheter d'autres choses. Donc, vous voyez, on se met au goût du jour avec l'OTAN. Il faut rappeler que le Canada, si on veut rester membre de l'OTAN, il faut contribuer à 2 Et je rappelle qu'avant de dire non, euh, donc euh, voilà, euh, ça ici, on achète les cochons des autres pays, des avions passés date. Et euh, Martin, il faut le rappeler aux gens, effectivement. Puis on a racheté 18 F-18 de l'Australie qui étaient désuets. Et pourquoi qu'on les a achetés? C'était pour les pièces, pour les cannibaliser, pour les nôtres, notre flotte qui était vieillissante. Alors, on a besoin de notre force aérienne. Et ceux qui disent qu'on doit sortir de l'OTAN, euh, je suis bien d'accord avec vous. Euh, maintenant, à toutes les semaines, il y a des interceptions pratiquement à toutes les semaines d'avions de, de, russes dans le nord canadien. Alors, pensez-y avant de dire qu'on sort de l'OTAN. Je n'ai pas de problème avec ça. Si on est prêt à sortir de l'OTAN, on dirait comme ça. Mais ce n'est pas avec nos vieux F-18 qu'on ferait de quoi et notre force qui est assez limitée, merci, en nombre de personnes. Alors, euh, voilà. Euh, et F-35, ne... oui, euh, Frankie, ils vont les F-35. Et on tient à rappeler que les F-35, le Canada a déjà payé euh, 300 millions de frais de développement pour le programme du Joint Strike Force des F-35. Alors, c'est un avion de cinquième génération. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ça, en gros, les F-18, c'est la troisième, quatrième. 4... Les, les nouveaux Super Net, c'est 4, plus. mais là, on parlait de nos f 18 qui était euh, la troisième, dans le fond, qu'on appelle. Euh, donc, détectable au radar partout. Même, euh, j'ai posé la question à un militaire à Bagotville, il y a deux ans, qui me confirmait quelque chose que je soupçonnais un peu. Euh, les radars des missiles AMRAM qui sont branchés, ces avions étaient plus performants que le, le radar qui était embarqué dans l'avion. Euh, donc, c'était assez spécial d'entendre ça, euh, mais on s'en doutait depuis deux. On a des vieux équipements, et dans le monde de l'aviation, ben euh, surtout militaire, mais même, même civil, mais même encore pire militaire, les avantages de l'un, euh, après dix ans, c'est quasiment une nouvelle génération qui sort. Avant, on pouvait dire que ça prenait 20 ans, euh, mais même là, rapidement, il y a une croissance toujours rapide et exponentielle des technologies, dont les technologies furtives. Le 35 c'est furtif. Et ça, les Russes ne l'ont pas tout à fait. Ils ont des avions furtifs, mais ce n'est pas le même niveau de furtiv sur furtivité. D'ailleurs, ils n'ont pas le, le même degré au niveau des tuyères, euh, au niveau de ce qui sort, dans les réacteurs. Donc, euh, voilà. Euh, non, ce n'est pas vrai que ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut 78 millions. Euh, mais Linda, euh, pour avoir vu la performance du F-35 à Bagotville, et c'est une petite performance, euh, bien, écoutez, on a vu la différence avec les autres avions. Là. Ce qu'il a pu faire dans, en vol... Euh, non, le F-18, je n'ai jamais vu faire ça, il ne pas le faire. Bon, bref. Euh, le F-35, c'est un avion moderne. Il a ses défauts, et en passant, tous les avions militaires ont eu leurs défauts. L'Eurofighter Tycoon, c'était la même chose, De même, il y a eu ostinage, un ostinage entre le consortium britannique et allemand à un moment donné, à savoir quel radar il allait embarquer. C'est Celui de l'Allemand, celui des, des, des Britanniques. Ah, ils ont fait des compromis, mais en comparti, ils ont pris une, un type d'arme de l'autre, puis ils Vous voyez? Alors, tous les avions ont eu problèmes. Euh, les problèmes. Les F-18, euh, c'est des très bons avions pour ce qu'on a eu à faire. Et ils ont eu les problèmes. Ils ont présentement des problèmes, actuellement. Euh, L'âge est un problème. Et la synchronicité euh, du décollage aussi a causé des accidents mortels. Euh, et récemment, aussi en Virginie, donc l'avion au décollage, un des ré... deux réacteurs ne décolle pas. pas. L'avion fini. Alors, voilà. Alors, c'est ça, les F-35. Euh, c'est une autre technologie. C'est un casque aussi. C'est un système intégré. Ce n'est pas qu'un avion. C'est une flotte. C'est intégré à l'OTAN. Donc, le canard est, est dedans. Donc, il y avait un sable qui était, qui était supposé peut-être embarquer. Euh, mais sable, euh, ça ne faisait pas. Donc, voilà. Euh, puis, oui, on a des, des employés ici qui étaient formés pour les F-18. Euh, maintenant, ben, ils vont avoir du recyclage qui va se faire pour les F-35. Alors, voilà. Euh, donc, euh, c'est un peu ça. Donc, euh, centaines de milliers de dollars et d'armes en Ukraine. Ben oui, euh, tu sais, Trudeau, on voit des centaines de milliers de dollars et d'armes en Ukraine. Puis, c'est ça, tu sais, avant, c'est ce qu'on dit, avant de vouloir se mêler des guerres des autres, il faudrait regarder ce qu'on a de notre, notre bord. Alors, euh, voilà. Euh, bonne question, Donald. 78 millions américains? Euh, ouais, ça se peut. Ça se peut ça, je voudrais vérifier, Donald, mais euh, j'ai oublié, mais je pense que oui. Je pense que c'est américain, mais euh, ça sera à vérifier. Alors, euh, c'est un bon point. Donc, tous les développements d'avions militaires Kouchard, les F-16, pour ceux qui s'en rappellent peut-être, les F-16, qui est un avion hyper performant, chasseur, au début des années 80, il y a des F-16 qui ont, qui ont tué des pilotes. Et ça a été la femme d'un pilote, une femme d'un pilote qui a commencé à avoir des doutes sur ce qui se passait. Et il y avait des problèmes euh, sur des joints euh, d'elle de, de, et autres. Donc, euh, puis le F-18, d'ailleurs, il y avait eu des problèmes aussi sur des joints en euh, titane aussi. Donc, vous voyez, il n'y a pas un avion qui est parfait. Euh, le meilleur avion qu'on pourrait avoir, c'est le F-22. Euh, les Américains ne le vendront pas, ni le F-15D, euh, le, le F-15E. Euh, donc ça, on n'aura jamais ça. Les États-Unis ne le vendront pas. Ils se gardent toujours un Edge au-dessus des autres. Alors voilà. Euh, donc c'est ça. Et on tient à rappeler, donc c'est novembre, mais le 1er avril, oui, il y a des compagnies qui continuent dont l'abattoir Excel ancien du personnel non vacciné. Suspendu sans sol le 1er avril, donc si c'est le cas, puis on peut tous des employés pour les abattoirs actuellement. On parle de chaîne d'approvisionnement qui est brisée. On a de la misère à avoir des épiceries pleines partout de stock. Et oui, il y a encore des, des compagnies qui jouent à ça. Là. Dans ce cas-ci, c'est une compagnie alimentaire. Il y en a d'autres aussi, d'autres compagnies. Alors que le passeport vaccinal n'est plus obligatoire. Alors, il y a des compagnies qui continuent d'imposer ça. Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça qu'il y a encore des manifestations, des protestations avec raison, pour ceux qui disent, c'est tout fini, tout est correct, tout est beau. Ben non. Et hier, on a eu notre conférence de presse, de la préparation psychologique euh, fournie par la CAC qui s'en vient. Alors, vous voyez, on a une, si vous avez remarqué, aucune annonce officielle hier, non? Rien sur la fin du masque. Euh, Est-ce qu'il y a une sixième vague ou pas? On n'est pas sûr. On va voir. On va attendre l'INSPQ qui va nous le dire. Imaginez. Alors, euh, voilà. Et puis, euh, c est, c est des... Et le prix de la viande euh, vont monter encore. Ben, C'est ça. C'est ça l'affaire. Et les infirmières qui sont venues chez moi samedi pour me faire former vaccin. Moi, j'ai des infirmières qui sont venues chez samedi pour me former vaccin. OK, ben, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses. Bref. Euh, <coughs> euh, ben, avant de dire, Carole, qu'on boycotte cette entreprise, euh, probablement que les autres entreprises le font aussi. C'est ça le maudit problème. Alors, euh, puis effectivement, je tiens à rappeler, euh, j'ai dit, euh, suspendu sans sol. Alors effectivement, ils n'ont pas le droit de te mettre à pied à cause d'une raison de santé. Ils ne te mettent pas à pied. Ils te suspendent sans sol. C'est tu pas beau. Puis là, suspendu sans sol, ton chômage, y as tu as du droit? Vous voyez comment c'est permissible, dégueulasse et hypocrite comme système? Et je, je, je voulais commencer aussi par la nouvelle très importante. Vous me faites penser à ça. Et euh, j'espère que je l'ai encore. J'espère que je l'ai encore. J'en ai eu tellement. Il est ici. Scandale. Oui, je devais commencer par ça aussi. C'est en français. Mais c'est en français basé sur une nouvelle américaine. Et ça, ça ici, c'est <coughs> assez majeur et important. Vous allez voir. C'est sorti aujourd'hui. La CDC, la CDC, ce n'est pas un site de complotistes, n'est-ce pas, CDC? Euh, donc, euh, scandale, le vaccin Johnson Johnson a fait deux fois plus de morts chez les vaccinés que les autres vaccins. Mm. Alors, il faut lire l'article. Alors, le Center for Disease Control, CDC, américain, c'est eux autres qui autorisent les vaccins ou pas. Hein? Alors, oui, c'est euh, le courrier du soir qui en parle, mais ça vient de la levée du CDC. Bon. OK? Alors, maintenant, on va arrêter de capoter tel site. Non, non, regardez, là, il rapporte la nouvelle. C'est ce qu'on veut, qu'il rapporte la nouvelle. Alors, voilà. Les décès, écoutez bien ça, les décès d'Omicron chez les personnes bénéficiaires du vaccin Johnson Johnson aux États-Unis étaient le double de ceux des autres vac vaccinés qu'il y avait. Mais là, regardez la nouvelle. C'est que des gens meurent du virus Omicron, deux fois plus avec, s'ils sont vaccinés avec Johnson Johnson, que les autres vaccinés, les autres, mais il meurt pareil d'Omicron, mais micron, c'était une souche qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins virulente, 16 fois moins virulente. 16 fois moins, c'était ça au niveau de virulence par rapport à la souche originale, mais qui se répandait plus vite, au micron. Mais là, c'est sûr que là, la CDC ne parle pas des décès liés à la vaccination, bien entendu, ce n'est pas ça. Mais on dit que les gens qui Ont eu la Omicron, mais qui étaient vaccinés, Johnson Johnson, avaient deux fois plus de chances d'en mourir que les autres. Mais les autres, le point pareil aussi. Alors, ça, à un moment donné, il va falloir creuser ça, quelqu'un creuse en dessous de ça, qu'est-ce qui se passe? Le taux de mortalité n'est pas normal. Alors, euh, chez les personnes, deux fois, mais même, même vacciné, il <laughs> ils aurait même pas dû être là. Euh, C'était supposé être pour éviter les hospitalisations, hein, tout réglé. Alors, voilà, donc c'est la CDC qui a sorti la nouvelle. Alors, euh, c'est allé. Et, et c'est une nouvelle qui est sortie du 28 mars 2022. Donc, c'est tout frais d'aujourd'hui, le vaccin Johnson. Et dire qu'au début, quand je, je regardais les vaccins, j'analysais ça, euh, ben, j'ai vite compris d'abord qu'il fallait parler de thérapie génique. Euh, le Johnson-Jensen semblait le moins pire comme effet la façon qui était fait. C'est un vaccin ADN comme AstraZeneca d'ailleurs en passant. S'il y a une caractéristique commune qu'on peut donner, c'est que AstraZeneca et Johnson-Johnson, c'est à base euh, de, de technologie ADN. Versus ARN, Moderna et Pfizer. Donc, euh, bref, euh, je n'ai pas vérifié la bourse de ces vaccins-là, mais d'après moi, ça ne sera pas tellement bon là-dessus. Alors, c'est une nouvelle officielle, puis euh, vous pourrez la partager. Pour ceux qui si ne vous, vous croient pas, on n'y peut rien. Alors, on euh, continue comme ça. Et Jensen, Jensen, d'ailleurs, on tient à rappeler aux gens qu'il a été autorisé au Canada aussi. Donc, s'il est autorisé au Canada avec cette nouvelle-là, ben, on s'attend qu'il enlève. Voilà. Alors, euh, et effectivement, euh, oui, il y en a qui pensent que c'est fini, mais, dans, mais des gens aussi tout court qui n'étaient pas là-dedans. Alors voilà, euh, quand ça va arrêter les passeports aux douanes, euh, Diane, c'est des pourparlers, tu a parlé de parler un peu, là, une semaine et demie, ça s'en vient peut-être. Alors voilà. Alors, euh, c'est ça l'information. Partager au, au, au maximum, c'est ce qu'on veut. Alors, effectivement, c'est confirmé. Effectivement, tu n'as pas de chômage. Tu es suspendu sans sol, tu n'as pas de chômage. Vous voyez, c'est dégueulasse. Alors, euh, on continue. Euh, donc, merci pour vos commentaires. J'en vois beaucoup, beaucoup. Euh, CNN devrait faire du cinéma. Ils sont bons là-dedans. Ben, CNN, oui. Je ne regarde pas CNN. Donc, si y des choses de CNN, moi, je ne les regarde même pas. Euh, S'il y en a, une qui a un qui boycott depuis longtemps, c'est bien ça. Euh, ouais, j'aimerais savoir si les compagnies qui font ça à leurs employés. S'ils n'ont pas reçu le montant d'argent, le gouvernement a des menaces pour les octroies. Excellente question, Claude. Je n'ai pas la réponse. Tout est possible. Tout est possible. Hein? Une petite subvention, tu veux -tu continuer, tu as eu de la misère. Ben, on peut t'aider si tu veux. Donc voilà. Euh, ils ne sont pas hospitalisés, ils sont morts. Ouais. ouais ben, C'est ça. Fait que ça compte pas dans ce temps-là, comme on dit. Hein? Donc voilà sur mortalité en Europe. Oui, euh, Marc, c'est un dossier en soi. Euh, c'est effectivement, euh, donc, euh, c'est pas pour rien qu'ils refusent de, 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 de publier les données, euh, parce que les chiffres parlent. C'est dur de faire mentir les chiffres. Alors voilà. Alors, sur ce, c'était le bulletin des nouvelles d'aujourd'hui. Alors, euh, merci beaucoup de votre présence encore une fois. Partagez la chaîne, abonnez-vous à le réseau, et pour supporter la chaîne directement, vous pouvez le faire via le lien PayPal qui est là. Et ce lien-là va être appelé à changer parce qu'il y a des délais avec PayPal pour les levées de fonds. Donc, ils vont être renouvelés. Donc, euh, mais sachez qu'on continue chaque jour très fort à travailler pour vous offrir non seulement des nouvelles différentes, une vision différente, une participation de vous différente, mais aussi des équipements. C'est ce que ça prend de sourd. Parce que faire tout ça, ce n'est pas que de l'air. Ça prend des équipements de sourds. Et on va avoir des serveurs autonomes indépendants parce que si je commence à parler de la thérapie génique, et des effets cachés, croyez-moi, je vais être barré assez vite. C'est pour ça qu'il faut être prêt à ce qu'on soit. Si je barre une place, on va être ouvert ailleurs, on va un serveur, personne ne va pouvoir nous faire taire. C'est le travail. Et c'est à ça que ça sert, vos contributions et vos dons volontaires. Tout mon temps est accepté. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite bon après-midi. Alors, oh, Denise, une dernière nouvelle contre la Banque des Firmes. Donc, euh, je vais aller voir. Alors, je vais aller voir c'est quoi. Donc, euh, une série de poursuites. Il va falloir aller voir ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi. Il fait beau soleil. Profitez-en pour aller prendre une marche. Alors, il y annonce un peu de soleil aujourd'hui demain. Après ça, recommence à pluie. C'est le printemps. Et oui. Mais ça prend la pluie faire fondre la neige. Merci beaucoup. À la prochaine.